Une délicieuse recette de crumble salé végétarienne. On va commencer par éplucher l'oignon. Je le coupe en deux, puis en quartier. Dans une grande casserole d'eau froide, j'ajoute du gros sel. J'ajoute les oignons. Je porte à ébullition et je laisse cuire 3 minutes. J'épluche les carottes. Je taille mes carottes en biseau d'un centimètre d'épaisseur. J'ajoute mes carottes à mes oignons. Je laisse cuire 5 minutes. J'épluche mes patates douces. Je la taille en cubes d'un centimètre de côté. J'ajoute mes patates douces à mes légumes. Et je laisse cuire 10 minutes à petite ébullition. Dans un bol, je réunis tous les ingrédients du crumble. La poudre de noisette, la semoule de blé dur, la farine et le beurre à température ambiante. Je malaxe du bout des doigts pour obtenir une semoule grossière. Je conserve mon crumble au réfrigérateur. Lorsque mes légumes sont cuits, je les égoutte. Je garnis mes plats de légumes. J'écrase légèrement mes légumes. Je les recouvre ensuite de crumble. J'enfourne mes crumbles 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Mes crumbles sont prêts. N'hésitez pas à les préparer à l'avance et à les réchauffer, ils n'en seront que meilleurs.